Bon, les gars, regardez ce coupon-là, c'est une cote de 110, mise de 20 000 francs, bénéfice de 2 200 000 francs. Là-bas, c'était un score exact de 3-0. Regardez très bien, un score exact de 3-0. La cote du match c'était 110 et là c'était une mise de 20 000 francs et bénéfice de 2 200 000 francs. Mais je vais vous choquer dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce coupon-là est absolument faux. Le coupon ci est fake. Le coupon ci c'est pas un vrai coupon, c'est un coupon que moi-même j'ai monté cela. C'est moi-même qui ai utilisé Photoshop pour régler tout cela, pour pouvoir faire ce faux montage-là, pour pouvoir vous montrer réellement comment vous faites arnaquer là-bas dehors. Comment je me suis fait arnaquer? Oui, bien sûr. Je suis un pronostiqueur, c'est vrai. Vous avez l'impression que nous, les pronostiqueurs, ça ne marche pas sur nous. Mais avant d'être pronostiqueur, les gars, n'oubliez pas, j'étais un parieur assez commun comme tout le monde là-bas dehors avant de vraiment m'engager dedans. Et je me suis fait arnaquer dans le domaine de des scores. Exact, les trucs, les faux trucs qu'on utilise pour nous arnaquer sur les réseaux sociaux. Et aussi vous dire comment on m'avait piraté mon compte de plus d'un million 800 000 dans mon compte OneLeap, on a retiré cet argent là et comment la solution dont j'ai trouvé pour pouvoir empêcher cela. Et vraiment, je vais vous donner tous les détails dans cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à rester scotché, les gars, parce que ce serait très intéressant. Salut l'équipe, salut tout le monde, moi c'est Yann ProSport l'équipe et dans cette vidéo je vais vous parler de comment est-ce que je me suis fait arnaquer avec ces photos de score exact l'équipe et je vais vous donner, vous expliquer comment eux ils font pour vous arnaquer chaque jour et aussi je vais vous donner aussi ma solution parce que je me suis fait pirater sur OneLeapBet et on m'avait retiré mon temps de 1 800 000 francs sur mon compte mais je vais vous donner la solution de comment est-ce que j'ai pu empêcher cela dans l'avenir. Ils ont essayé mais ils n'ont pu réussir l'équipe, tout dans cette vidéo. Bon les gars, tout d'abord l'équipe, tous ceux qui aimeraient profiter de mes pronostics chaque jour gratuitement, cliquez sur le lien description de cette vidéo, venez nous rejoindre sur Telegram. Aujourd'hui, ça fait il y a pratiquement une semaine, on n'a perdu aucun coupon safe dans mon canal Telegram. Donc, si vous voulez bénéficier de mes coupons safe, cliquez sur le lien en description, venez nous rejoindre dans le canal Telegram. Là-bas, c'est complètement gratuit les pronostics. Bon, l'équipe, je vais vous donner mon histoire, c'est très simple. Bon, l'équipe, moi j'étais un parieur assez simple comme tout le monde parce que là, j'étais pas un pronostiqueur. Parce qu'aujourd'hui, ça fait réellement 5 ans que je me suis investi en tant que pronostiqueur. Mais en ce moment-là, dans ma vie, j'étais pas pronostiqueur. Fait quand il y a cela 7 ans, c'est 6 ou 7 ans, si je me trompe pas, j'étais pas pronostiqueur. Et maintenant, j'étais réellement fan des paris sportifs à un point que je croyais tellement que j'allais être riche grâce aux paris sportifs parce que je voyais plusieurs pronostiqueurs qui misaient des gros montants. Ils mettaient des 300 000, des 500 000, des 1 million, des 2 millions des coupons. Ils gagnaient des 5 millions, ils gagnaient des 6 millions. Moi, je me disais que bon, voilà, peut-être moi, si je peux gagner ma vie comme ceci parce que moi, je trouvais que c'est un peu trop facile et je ne savais pas réellement ce qui était caché derrière parce que derrière les paris sportifs, les gars, je vous mens pas, c'est pas le monde que vous voyez que vous dites que non, voilà, c'est trop facile, mais vous donnez comment est-ce que eux ils font pour pouvoir gagner cet argent que vous voyez là. Je vous explique ça dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas les gars. En passant dans l'histoire, je vais vous donner aussi cela dans cette vidéo. Bon les gars, j'étais un parieur assez commun comme je disais dans le quartier et tout. J'avais un ami quoi. Et ce pote là savait que j'étais tellement fan des paris sportifs, il savait à quel point j'aimais beaucoup les paris sportifs. J'avais mon grand frère, il était en Europe, constamment il m'envoyait de l'argent, et mon argent de poche quoi, il m'envoyait de l'argent de poche du mois et il prenait au moins ce 80% de cet argent de poche et il mettait ça dans mon compte OneLeapBet. Pourquoi? En ayant espoir que je vais être riche. Et comme mon ami là savait que j'avais un grand frère en Europe quoi, on va dire ça comment, il m'enviait quoi, il m'enviait de telle sorte parce que lui n'avait pas un grand frère en Europe et il n'avait pas il n'était pas d'une famille aisée quoi, donc lui, il cherchait une solution pour pouvoir m'escroquer, m'exploiter et retirer de l'argent de moi sans que je ne sache. Donc déjà, c'est très mauvais, oui, je le sais. Bon, comme j'étais tellement fan des paris sportifs, un jour, chaque fois que j'essayais de jouer, je perdais. Je jouais tellement naïvement. C'est-à-dire, pareil, comme tous les... Donc, comme presque vous tous là, les gars, sans vouloir vraiment vous vexer. Et pareil, un peu comme presque tout le monde là. Parce que là, je mettais peut-être 1000 francs sur une cote de 50, 1000 francs sur une cote de 20, 1000 francs sur une cote de 30. En ayant espoir que je vais me réveiller un jour, voir qu'elle gagne 1 million, tout ça. Non. C'est très mauvais. C'est pas la stratégie à utiliser. Bon, les gars, comme mon ami savait cela, que chaque jour, je perdais mon argent. Ce qu'il a fait, c'est que bon, il est venu un jour m'a proposé un deal. Il est venu m'a montré un canal Telegram où il y avait des scores exacts validés. Donc, je voyais des scores exacts validés. Je voyais comment gars valider des codes de 200, des codes de 300, des codes de 400. Mais j'étais dépassé. Je disais, mais non, là, c'est incroyable. Il dit, gars, tu es vraiment sûr que ça, c'est vrai? Il me dit, non, il me rassure que c'est vrai. Et lui, dans le canal Telegram, là, il le suit depuis. Et vraiment, le gars, vraiment.
C'est via EPI, il faut acheter son pronostic pour pouvoir bénéficier de cela et tu vas gagner de l'argent, ne te mens pas. Il me dit qu'il a eu un pote à lui qui a acheté cela, que lui-même, il me dit que lui-même, il n'a pas pu acheter cela parce qu'il n'a pas les moyens. Mais comme il sait que moi, chaque mois, j'arrive à avoir de l'argent de poche, je peux quand même m'offrir cela et devenir riche et ne plus dépendre de mon grand frère. Bon, il a tout fait pour me convaincre, pour me convaincre, pardon, il a tout fait pour me convaincre d'utiliser mon argent de poche pour pouvoir acheter un VIP pour qu'on puisse me vendre un coupon. Parce que vous voyez, pour qu'on puisse me vendre un coupon de score exact. Bon, vu que c'était un ami que, bon, voilà, moi, je l'aimais vraiment, on était vraiment proche en quelque sorte. Moi, je me disais que, bon, il m'a expliqué en me disant qu'il a une de ses potes qui a vraiment gagné de l'argent avec, qui a gagné plus de 2 millions seulement avec 2 000 de mise grâce à ce type dans le canal Telegram qui donnait le score exact. Bon, là, moi, je me disais que, bon, t'es sûr? Il me dit, oui, il est sûr. Moi, je disais que, bon, je vais aller essayer, quoi. J'ai pris, je sais pas si j'ai causé avec le propriétaire du canal Telegram. On m'a envoyé son lien. Je suis parti dans son canal Telegram, j'ai pris son lien là. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit que non, pour acheter une place, c'était un truc de 110 000 francs, si je me trompe pas. Pour acheter un coupon, pardon, c'était un truc de 110 000 francs. Et une fois que j'achète aussi, mes mains aussi dans son VIP en même temps. Mais là, il va pouvoir me vendre un coupon de score exact, 110 000 francs, tu comme ça. Il dit que il est vraiment sûr que ça va marcher. Il m'a garanti que ça va marcher. Ah, moi aussi naïf que j'étais, l'équipe, je n'ai pas prêté attention au canal Telegram. Je vous donne un secret pour pouvoir détecter ces gars-là. Vous allez voir, peut-être dans les canaux Telegram, ils ont peut-être que 100 000 abonnés dans le canal Telegram. Mais regardez très bien les coupons, les posts. Ce qui pousse sur le canal Telegram, vous allez constater qu'il peut avoir 100 000 personnes dans son canal Telegram, mais il a seulement 200 vues sur un post. Parfois, il poste même, il a 100 000 abonnés au canal Telegram, mais il a seulement 80 vues, il a seulement 5 vues, il a seulement 10 vues. Parfois, il a même seulement 300 vues. Parfois, il a même seulement 7 vues même. Avec 100 000 abonnés au canal Telegram. Pourquoi? Parce qu'ils achètent des abonnés Telegram. Ça vous fait comprendre que les gars achètent des abonnés Telegram déjà pour commencer, pour vous arnaquer. Ils achètent des abonnés Telegram parce que quand ils achètent des abonnés Telegram, c'est encore les plus sûrs. Mais j'étais tellement naïf, je n'ai pas prêté attention au fait qu'on pouvait acheter des abonnés Telegram parce que je voyais 100 000 abonnés dans son canal Telegram. Je voulais qu'il était vrai, que non, voilà, si c'est qu'il est faux, il ne peut pas avoir ce nombre-là. Non seulement qu'il faisait des faux coupons avec Photoshop, comme je vous ai montré au début de la vidéo, le coupon que moi-même j'ai pu monter là, les gars, voilà même encore ça, du score exact là. Non seulement il montait des faux coupons, l'équipe, et en même temps, donc, ça avait tellement l'air vrai que tous ceux qui venaient là-bas dedans, ils voyaient 100 000 abonnés dans le canal Telegram, ils se disaient que c'était vrai et tout, l'équipe. Donc, moi, je suis parti, j'ai causé avec lui, j'ai payé les 110 000 francs, parce que tellement que mon pote m'a garanti et tout, j'ai payé 110 000 francs pour acheter le coupon, l'équipe. J'ai placé une mise de 50 000 francs sur ce coupon-là, parce que moi, je voulais devenir millionnaire dedans. Je sais pas, je crois que la cote, c'était une cote de 400, si je ne me trompe pas, mais je ne me rappelle vraiment pas. Mais je sais que j'avais mis un truc de 50 000 francs sur ce coupon-là, parce que je voulais tellement devenir millionnaire, les gars. Je me disais que non, voilà, ma vie va changer, voilà, 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 voilà. Et à ma grande surprise, c'était perdu, l'équipe. J'avais mal. L'équipe, j'avais mal, je venais dépenser 160 000 francs en total. Parce que j'ai acheté le coupon à 110 000 francs. Et puis, il a payé 50, il a encore misé 50 000 francs sur le coupon. Il a perdu en total 160 000 francs. L'équipe, j'avais tellement mal. Là, c'était mes économies, les gars. Mes économies, les gars, j'avais tellement mal. Et là, c'était après quelques temps. Après quelques temps que j'avais découvert que mon pote en question qui était venu vers moi là, c'était son ami, lui et son ami qui faisait ce faux truc là pour arnaquer des gens dehors. Donc ça dit quoi? Ils m'ont utilisé comme un des victimes quoi. Parce que c'était après un bon bout de temps que j'avais compris cela, que j'avais constaté cela à l'équipe. Parce que j'avais vu un jour dans son téléphone la conversation avec lui et ce pronostiqueur là. Je sais pas si tu vois un peu. Un jour j'étais avec son téléphone, tout ça. Et donc genre, vous voyez comme vous êtes entre potes, on s'envoie des vidéos. Désolé, on s'envoie des vidéos par Zender. Je sais pas si vous connaissez tout ça. On s'envoie des vidéos par Zender, on se partage des vidéos, des sons. Et je sais pas quoi, mais il m'a laissé avec son téléphone, tout ça. Et moi j'étais en train de fouiller son Telegram pour pouvoir voir des pronostics et tout. Et j'ai tombé sur les conversations d'abord sur Telegram avec lui, le type là, mais je voyais un peu ça louche. Et puis je suis même allé sur WhatsApp fouiller son nom, j'ai trouvé vraiment. J'ai compris que les gars m'ont arnaqué parce qu'ils voient les messages, les conversations de comment ils ont partagé mes 110 000 francs, tout ça. Vraiment, j'avais mal, l'équipe. J'avais réellement mal. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup blessé. Ça m'a beaucoup blessé. Ça m'a beaucoup fait réaliser plusieurs choses concernant ce monde de paris sportifs, etc. L'équipe. Les trucs des scores, ils ont la mettre dans votre tête que c'est complètement faux, les gars. Il n'y a personne qui va vraiment vous donner un score exact. Il n'est pas un dieu. Parce qu'il était capable de pouvoir vous donner des scores exacts. Je vous garantis qu'il n'allait pas vendre cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de votre argent. Votre argent pour lui serait tellement minable. Parce que, imagine que j'arrive à générer une cote de 400.
Et puis je vous vends ça peut-être qu'à 110 000 francs. Ça sent très bien, ça sent très bien que si même 110 000 francs, c'est ça, d'office, c'est pour gagner des millions. Donc, pourquoi est-ce qu'il veut vendre ça? Peut-être que je veux, il peut faire des scores là chaque jour. Donc, je vous dis que c'est de l'arnaque. Il y a ce truc qu'on appelle gestion de compte de l'équipe. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ce qu'il dit, qu'il vous donne votre compte, et puis il prend votre compte, il travaille votre compte, il multiplie de l'argent. Il appelle ça des gestions de compte. Les gars, quand vous allez donner votre compte, votre identifiant, ils vont prendre, ils vont retirer l'argent, ils ne vont pas vous remettre votre argent, l'équipe. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous reconnaître dans votre compte, ça serait complètement vide. Donc même les trucs de gestion de compte là, c'est faux, les gars. Bon, les gars, vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment fait mal. Et je vous dis, les gars, tout cela, c'est pas vrai. Donc prêtez attention, soyez très, donc faites beaucoup attention à ce truc là, les gars. Les trucs de score, et ça ne passe pas, les gars. Bon, l'équipe, et pour ce truc, quand je vous parle du fait que vous voyez des pronostiqueurs, ils sont riches aujourd'hui, vous dites que non, voilà tout ça, les gars, c'est parce que eux, ils ne misent pas bêtement. Déjà, les pronostiqueurs ne misent pas bêtement, ils font beaucoup attention à leur façon de parier. Ils ont des stratégies de mise tellement précises qu'ils utilisent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et sachez très bien que les pronostiqueurs, en général, misent sur des petites cotes, pas des grosses cotes. Et si vous voulez connaître toutes les stratégies, les gars, je vous présente ça sur cette chaîne YouTube-là. Ne soyez pas fouiller dans toutes mes vidéos YouTube. Vous allez voir comment je vous présente tous les secrets de tous les pronostiqueurs, les stratégies de mise, les techniques d'analyse, tout ça est sur cette chaîne YouTube là, les gars. Donc abonnez-vous, allez regarder les vidéos et je vais continuer à poster des prochaines vidéos chaque jour, les gars. Dans l'équipe, donc c'est déjà ça, les gars, pour tout ce qui veut éviter d'être en arnaque. Je vous ai déjà dit comment ça se passe, les gars. Ne croyez jamais à ce truc là, c'est des trucs de Photoshop, ça ne marche pas. Parce que vous comprenez un peu, tout ça, ça ne marche pas, l'équipe. Et je vous ai parlé du fait qu'on m'avait piraté, on m'avait retiré 1 800 000 francs dans mon compte OneisBet, les gars. Ça, c'est quand j'étais déjà un pronostiqueur, pendant 3 ans déjà, quand j'étais un pronostiqueur. Quand j'ai su comment les paris sportifs marchaient réellement, là maintenant, j'étais déjà un pronostiqueur qui était assez rentable. Mais un jour, on m'a piraté, les gars. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me pirater, mais on m'a piraté 1 800 000 francs. Et puis, j'ai fait des recherches, j'ai contacté OneisBet par-ci, par-là. Et déjà, vous savez que comme nous sommes vraiment des personnes assez importantes pour OneisBet et tout ça. Moi, on m'a parlé du code promo PV Cancer. On m'a dit, voilà un code promo qui va sécuriser mon compte automatiquement. Que ce code promo va activer la mise à jour dans mon compte de telle sorte que si on essaie de me pirater, ça serait pratiquement impossible. C'est-à-dire, celui qui essaie de me pirater, en voulant me pirater, les gars, lui-même, il risque même de bloquer son propre compte OneisBet, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, le code promo PV Cancer m'a été donné par la plateforme OneisBet en personne, l'entreprise en personne, parce que c'est un compte qui active la mise à jour et une sécurité garantie totale. Et depuis ce jour-là, les gars ont encore essayé de me pirater, mais n'ont pas réussi. Heureusement que Dieu merci qu'on m'a donné le code promo PV Cancer. Donc, si vous voulez réellement sécuriser votre compte, ça veut ce code promo là, les gars, c'est vraiment incroyable. Et ça vous donne aussi 30% de remise de vos pertes chaque week-end. On vous remet 30% de vos pertes durant la semaine, les gars. Donc, les gars, voilà déjà l'histoire. Et faites beaucoup attention, l'équipe. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Likez la vidéo et abonnez-vous, les gars, pour des analyses, des techniques de mise, tout ça chaque jour et constamment, l'équipe. Ok.